C'est sur ce parking, en fin de matinée hier, que Maurice Costa a été abattu. Il était 11h, l'homme se rendait dans cette boucherie de Ponte Leccia, où il a ses habitudes. Soudain, des coups de feu partent, un employé est blessé, Maurice Costa s'effondre. Présenté comme un pilier de la Brise de Mer, cet homme était fiché au grand banditisme. Il ressort effectivement dans un dossier actuellement traité par la juridiction spécialisée de Marseille, ce qui explique l'intérêt du parquet de Marseille pour cette affaire. Maurice Costa avait été mis en examen, incarcéré puis libéré après un double assassinat en février 2011. C'est le 11e membre de la Brise de Mer à succomber. Une bande criminelle soupçonnée par les enquêteurs de nombreux braquages de fourgons et attaques de banques dans la région marseillaise.